Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est toujours Monica Z. Si c'est la première fois que vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je parle de tout ce qui entoure le Canada, même si j'aborde d'autres sujets. Aujourd'hui, par exemple, je suis en train de parler du Canada. Je vais vous parler aujourd'hui du visa visiteur, qu'on appelle le visa aussi temporaire ou encore le visa touriste. Je vais vous parler de ce même visa-là. Ce visa-là, sachez que même si tu as eu un visa de 10 ans, même si tu as eu un visa de 6 mois, vous deux, vos visas sont pareils. Parce que le 10 ans, là, c'est un visa multiple entrée. C'est pas parce que tu as eu un visa de 10 ans que ça te donne, c'est-à-dire le droit, ou bien ça te donne toutes les chances d'immigrer au Canada. Non, ça fonctionne pas comme ça. Ce que je voudrais que vous compreniez, le visa visiteur, quoi qu'on dise, dès lors que tu viens dans un pays comme le Canada et que tu es rentré comme un visiteur, ça veut dire que tu dois retourner 6 mois, c'est-à-dire tu fais 6 mois sur le territoire canadien, tu dois retourner de là où tu viens. Dans ton visa, c'est écrit que tu viens visiter. Donc, ça veut dire que quand tu viens visiter, tu dois retourner à ta source. Mais si tu ne retournes pas, c'est là que tu tombes dans le sans-papier. Les amis, on est ici pour se dire les vraies choses. Comme je vous dis toujours, moi là, je suis là pour vous éclairer. Venez rester au Canada. Être un sans-papier, ça vient avec, ça dit, beaucoup de contraintes. C'est pas évident. Très souvent, vous m'envoyez des messages où vous me dites, mais l'impacteuse, quand on t'entend parler, c'est comme si pour immigrer au Canada, c'est juste ceux qui ont les papiers, qui sont ceux qui sont des intellectuels, c'est ceux qui ont des diplômes seulement qui peuvent immigrer au Canada. J'ai jamais dit ça dans mes vidéos, ou bien c'est pas ce que je dis, mais moi, quoi, ce qui est sûr, moi, je parle plus de la résidence permanente. Moi, j'encourage plus les gens à immigrer. Mais chacun peut trouver sa voie pour rentrer. Mais quand tu vas trouver ta voie, nous aussi, on va t'éclairer pour que quand tu es en train de prendre cette voie-là, tu sais ce à quoi t'attendre. Au Canada, il y a ce qu'on appelle le numéro d'assurance sociale. Ce numéro d'assurance sociale-là, moi, je vais même dire que c'est comme ton ADN. C'est un numéro qui te suit partout. C'est un numéro par lequel, ça dit, tu es retracé dès lors que tu arrives sur le territoire canadien en tant qu'un résident permanent ou même un étudiant. Tu as un numéro d'assurance sociale. Même, ça dit, dès lors que tu restes un sans-papier, tu n'as pas ce numéro-là. Et c'est ce numéro-là qui te permet de pouvoir prendre une maison, c'est-à-dire tu veux louer une maison quelque part, on va te demander ton numéro d'assurance sociale. On va te demander, c'est-à-dire ton numéro d'assurance sociale, si tu dois ouvrir, comment on appelle ça, un compte bancaire, tu dois aller chercher du travail, tu es malade, c'est-à-dire tu es lié par ce numéro-là, par tout ce que tu vas faire quand tu es au Canada. Donc, si tu es un sans-papier, bien évidemment, tu n'as pas ce numéro-là. Et quand tu n'as pas ce numéro, c'est comme si on peut parler dans notre jargon, ça dit tout est bouclé, fermé sur toi. Oui, au Canada, on ne va pas te rencontrer dans la rue comme ça et puis on va te demander tes papiers. Tout ça, c'est ce qu'on dit, on respecte les droits de l'homme. Mais ils ont fait de telle sorte que on ne va pas te demander des papiers, mais tout est bouclé sur toi, comme je dis. C'est pour ça que nous autres, quand on parle, on n'encourage pas vraiment ça. Les bons conseillers en immigration, les consultants en immigration, très souvent, quand vous rentrez en contact avec eux pour une histoire de demande d'asile, tout et tout, très souvent même là, des conseillers qui sont très honnêtes, si vous n'êtes pas encore sur le territoire canadien, ils vous conseillent même de faire la demande depuis un autre pays à côté de chez vous, quelles que soient toutes les raisons que vous évoquez. Il y a beaucoup de raisons qui font que quelqu'un peut demander l'asile. Exemple, tu es quelque part où on te poursuit à cause de ta religion, ou bien tu es poursuivi à cause de tes orientations sexuelles. Il y a beaucoup de facteurs, mais c'est pas parce que tu as raconté tout ça que forcément ta demande va être prise en compte. Comme dit le Canada, tout le monde peut appliquer à la demande d'asile. Tout le monde peut appliquer pour une demande de visiteur, mais c'est eux qui décident s'ils doivent t'accorder ça. Ceci étant, la majorité, comme je disais, des consultants, eux, ils vous conseillent très souvent de demander même l'asile pendant que tu es à l'extérieur du Canada. Parce que sachez que le Canada octroie généralement 50%
de demande d'asile à ceux qui, c'est-à-dire de demande de réfugiés, de statut de réfugiés à ceux qui font la demande d'asile. 50% pour tous ceux, la majorité des gens qui sont sur le territoire canadien. C'est pas évident. Oui, quand tu arrives comme un sans-papier, comme je te disais, même le travail, le petit travail, que parce que vous m'envoyez des papiers, oui, je veux venir, des messages, je veux venir comme visiteur. Est-ce que si je viens comme visiteur, je peux travailler comme balayer les rues, tout ça? Mais je comprends, c'est parce que vous n'êtes pas... Même le balayage de rue que vous méprisez là, c'est ce qu'on prend pour vivre ici normalement. Je le répète dans mes vidéos. Oui, je sais que vous ne le méprisez pas, mais c'est juste que vous prenez ça comme un travail qui est banal. Non, c'est pas banal. C'est un travail respectable. C'est-à-dire, si tu n'as pas le papier... Tu ne peux pas travailler. Tu peux que travailler dans des entrepôts, dans des petits coins là-bas où tes droits ne sont pas respectés. Tu vas te plaindre à qui? Puisque tu n'as pas les papiers. Vous comprenez? La seule période où peut-être tu peux travailler un peu, tu vas aller dans les champs là-bas pour cueillir des fraises, tu vas aller cueillir des fruits. Mais l'été là, ça dure combien de temps? Parce que quand on parle de champs, on est en train de vous parler de l'été. Donc si tu n'as pas les papiers au Canada, ça dit c'est le nom du Canada qui est sur toi. Mais tu es, ça dit, tu ne peux rien faire. Tu n'as pas de papier. Tu ne peux même pas faire le permis de conduire. Ça dit, tout ce qui est basique, il n'y a rien que tu puisses faire. Même tu sors d'une maison, tu tombes là. Tu es tombé là. L'ambulance qu'on va appeler là, ça dit, tu vas payer de l'argent. Et dans, quand ils vont appeler l'ambulance aussi, ils vont te demander ton numéro social. Comme je vous disais, si tu n'as pas, ça dit, de papier, tu es, ça dit, même le chien même là, le chien a de la valeur. Vous savez pourquoi? Parce que le chien là, lui, il a un propriétaire qui paye sa nourriture. Le chien est malade, on l'envoie chez le vétérinaire. Le chien là, au printemps où on est là, le chien a un manteau comme ça, qu'on met sur lui. Et puis, il a son propriétaire comme ça, qui le pousse dans sa poussette, qui lui donne des petits biscuits. Il y a biscuits de chien aussi. Tout ça là. Mais, ça dit, quel que soit tout ce qu'on a, on a bien pu vous dire, c'est pas évident. Et l'immigration canadienne, quand elle te tombe dessus, c'est pas de la blague. Oui! Tu peux rester là, en train de tourner. Mais quoi qu'on dise là, ça dit, c'est une méthode que nous autres, on peut même pas encourager. Oui, on peut pas encourager, pas parce que c'est pas possible de le faire. Il y a d'autres qui le font. Comme je le dis dans mes vidéos, chacun a sa chance. Mais avant d'aller tenter ta chance là, il faut que tu saches tout. Ça dit, il faut que tu aies toutes les informations en ta possession. Donc, c'est pour ça que moi, je suis là pour vous éclairer. Pour vous dire que c'est pas parce qu'au Canada, il n'y a pas des sans-papiers. Il y a des sans-papiers. Mais vivre comme un sans-papiers, c'est difficile. Voici une encore raison que je vous donne. Nous, comme ça, on ne peut pas donner nos papiers à quelqu'un de façon systématique, comme ça se fait en Europe. Tu viens, tu habites chez moi, et puis je vais te donner mes papiers. Parce que déjà là, l'immigration canadienne ou bien le gouvernement canadien, ils ont cette force d'aller retracer. Oui, tu as deux jobs. Très souvent là, pendant que moi je suis au travail, c'est là toi tu vas prendre mes papiers pour partir. En plus, vers la fin de l'année, il y a des impôts qu'on fait. On fait des impôts. Ils vont se rendre compte que j'ai beaucoup travaillé. Selon mon statut, si j'ai beaucoup travaillé, je peux me retrouver à payer des taxes de 5 000 $, de 3 000 $ que je dois payer au gouvernement. Donc, c'est pour cela que le procédé que vous faites en Europe là, où on peut prendre les papiers de quelqu'un pour travailler, nous, c'est pas évident. On ne peut pas le faire. Il y a des questions que vous m'envoyez. Comme quoi, exemple, tu as un statut en Italie. Tu es déjà en Italie, tu as un statut de réfugié. On t'a accordé le statut de réfugié. Et puis, tu veux venir, vous m'écrivez, oui, l'impacteur, je suis réfugié ici déjà, mais moi, c'est le Canada qui m'intéresse. Mes amis, quand on accorde le statut de réfugié, tous les pays du monde qui accordent le statut de réfugié à quelqu'un qui a demandé l'asile, ils partent eux tous de ce qu'on appelle la Convention de Genève. Donc, si l'Italie t'a déjà accordé le statut de réfugié, dis-toi que c'est sur les normes des règlements de la Convention de Genève. Le Canada aussi, c'est pareil. Donc, si tu laisses ce statut que tu as déjà là-bas pour dire que non, tu as venu demander, c'est nous, c'est même pas possible qu'on t'accorde ça. Parce que quand ils vont regarder ton dossier, mais il a déjà un statut de réfugié où il vit en Italie, pourquoi on ne peut pas t'accorder un statut de réfugié? Donc, il faut réfléchir. Mais si tu es un réfugié là-bas, tu peux faire une demande de résidence permanente pour rentrer ici au Canada. Il faut que les choses soient claires. Tu habites aux États-Unis déjà. Le Canada et les États-Unis, là, comme on peut dire, c'est poisson ton à Katieke. Ils sont mélangés les deux. Ils ont tous les mêmes règles. Ils se rejoignent. Ils sont, comme on dit, chomi-chomi. Tu as déjà un statut de réfugié aux États-Unis. Tu ne, même si on t'a déjà refusé un statut là-bas, tu ne peux plus faire de demande d'asile ici au Canada. Ça, c'est une loi
que les deux ont fait entre eux. Donc, il faut vraiment réfléchir à tout ça. Si c'était aussi facile, on vous aurait encouragé. Oui, la façon dont moi j'encourage les résidents permanents ou bien des étudiants, juste, j'allais tout le temps vous encourager comme ça, mais si j'en parle pas, mais c'est parce que je vois que c'est récurrent, vous me revenez avec les mêmes questions. Des étudiants, par exemple, qui font la demande, qui sont en train de faire des papiers pour rentrer au Canada, qui se disent, bon, l'impacteuse, moi je vais venir comme étudiant quand je vais arriver et puis je vais demander le statut de comment on appelle ça, de réfugié, demande d'asile. Mes amis, moi tout ce que je peux vous dire, chacun a sa chance, je vous souhaite bonne chance. Je sais pas qui est-ce qui vous donne ce genre de conseil là. Tu vas quitter là comme étudiant et puis tu viens ici pour demander maintenant le statut de réfugié. Mais ce que tu oublies, quand tu étais en train de demander le statut d'étudiant là, tu as prouvé que tu as une preuve de fond, tu as des trucs qu'eux ils peuvent aller, ça dit ils peuvent aller vérifier. Il y a quelqu'un dans tes dossiers qui a prouvé qu'il avait l'argent et puis du coup tu arrives, tu demandes le statut de demande d'asile. Ça passe pas. C'est des choses qui sont très rares. Donc nous on est là pour vous éclairer, comme je vous dis. Les informations que je vous donne ici, là, c'est pas ce qui va empêcher quelqu'un de faire sa demande. Moi, je t'explique. Oui, puisque c'est à moi que vous envoyez les messages, donc je me vois aujourd'hui dans l'obligation de vous expliquer. Faire une demande de visa, très souvent, ça ne coûte rien. Je prends le cas d'Abidjan. Je sais que c'est au Vallon, quelque part là-bas, qu'on fait la demande de visa. Pour faire une demande de visa en bonne et due forme, tu payes, je pense, des frais de 83 000 francs. On envoie les dossiers à Dakar. Ils analysent. Bien évidemment, ça prend des dossiers bancaires. Il faut des trucs qui prouvent que tu travailles et que tu viens pas ici pour caler. Parce que caler là, quand tu as l'immigration sur ton dos, c'est pas de la blague. Je vous donne l'exemple d'une dame, une Africaine qui était venue ici, elle a demandé l'asile. Ils ont refusé, elle n'a qu'à partir. Elle se cachait chez des parents. Ils savent où aller te retracer. S'ils ont décidé qu'ils vont tomber sur toi là, ils vont tomber sur toi. Et ce jour-là, au moment où elle s'attendait pas à ça, l'immigration a débarqué là où ils l'ont retracé. J'ai dit que les amis, elle est tombée en syncope. Quand elle est tombée en syncope, elle a piqué une crise cardiaque. Ils l'ont envoyé d'urgence à l'hôpital. Moi, je les suivais en tant que préposée pendant 3 jours. Les 3 jours-là, il y avait 2 agents de l'immigration, jour, soir, nuit, qui la surveillaient. Parce que comme elle avait fait une crise cardiaque, on ne peut pas la ramener au Congo. Donc, il fallait qu'on la surveille. Donc, on la surveillait quand les médecins ont stabilisé son état-là. En même temps, ils l'ont mis dans l'avion, ils l'ont retourné. Ce n'est pas évident. Si c'était aussi facile, on allait en parler chaque fois, comme je dis. Il y a le procédé que vous pensez que c'est aussi facile. Oui, le Whitey. Whitey, là, ils sont pas si bêtes que ça. Parce que eux, là, quand leur gouvernement parle, quand on leur parle à la télévision, les brouteurs qui prenaient les filles, qui mettaient devant pour arnaquer les femmes, là, eux aussi, ils ont sensibilisé ici à la télévision pour dire aux gens, faites attention, surtout la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dans la zone rouge des escrocs, des arnaqueurs. Donc, quand tu veux essayer de mettre même quelqu'un en contact, il te voit, lui, il a confiance en toi. Mais il dit, oh non, Monique, moi, si c'est en Côte d'Ivoire ou bien là-bas, non, ils ont dit trop de choses, attends, non, je fais attention, je suis prudent. Donc, ce qui fait que ce côté-là même là, ça ne marche pas, à moins que tu sois ici, on peut créer comme des connexions. Sinon, de là-bas là, ils veulent même plus entendre. Et puis, de par le mariage, comme je vous dis, c'est plus devenu aussi facile. C'est pas si facile que ça parce que maintenant, même si tu as trouvé le Whitey ici ou bien tu as trouvé le frère africain ici, vous vous êtes marié, les papiers là, tu vas pas avoir ça en moins de 2 ans. Avant là, vous pouvez vous marier, tu vis de ton côté, lui vit de son côté et puis bon, vous pouvez faire les papiers. Mais maintenant, on veut que vous viviez ensemble, même si vous n'êtes pas dans la même chambre, mais que vous soyez sous le même toit, à la même adresse. Parce que quand tu es en train de faire la demande de papier, on peut vous faire une demande, on peut vous faire une entrevue. Ils viennent pas voir à la maison si vraiment vous êtes ensemble. Mais un jour, on vous convoque, vous dit bon, bientôt on est rendu à telle étape, viens pour la procédure, vous partez. Mais si vous vivez même pas ensemble, il y a des questions aussi simples qui vont te poser. Le rideau de votre salle de bain là, c'est quelle couleur? Mais vous ne vivez pas ensemble, donc déjà ils vont savoir. Ils ont toutes les astuces, ça dit, pour essayer de savoir si c'est du vrai ou si c'est du faux. Donc, comme je dis, chacun a sa chance, c'est vrai, mais il faut que tu sois conscient que même une maison où tu vas prendre une petite maison, quand j'ai dit louer un petit sous-sol comme là, tu as loué le sous-sol, le propriétaire va demander tes enquêtes de crédit. Il va demander aussi ton historique de crédit. Puisque tu n'as pas de compte bancaire, parce que tu ne peux pas ouvrir même un compte, tu travailles. Mais l'argent là, tu vas traîner ça sur toi.
Tu ne peux pas avoir des cartes de crédit. Tu ne peux pas avoir des cartes bancaires. J'ai dit que tout est bouclé sur toi. Donc, oui, venir immigrer au Canada comme un visiteur, oui, c'est bon parce que tu peux avoir le visa. Mais comme je le dis là, ce n'est pas juste avoir le visa qui est important, c'est la suite des choses. Qu'est-ce que tu planifies après? Parce que ce circuit-là, tu peux venir et puis tu tournes dedans. C'est ce qui fait que souvent aux États-Unis, moi je suis allée à Philadelphie, j'ai vu des familles qui sont là depuis 17 ans, à Washington depuis 15 ans, 20 ans, qui n'ont pas les papiers. Ils tournent en rond. C'est que si ils vivent là-bas, mais ils n'ont pas papiers. Tu vas faire comment? Donc, il faut analyser tous ces facteurs-là. Ce que je suis en train de dire dans ma vidéo, c'est pas ça qui va t'empêcher d'entretenir ton rêve toujours. Ça, c'est clair. Mais au moins là, tu sais désormais que le Canada, là, c'est pas de la blague d'en faire de papier. Parce que tout ce que tu vas faire, tu es relié par le numéro d'assurance sociale. Et ce numéro d'assurance sociale, là, il faut que tu aies un statut au Canada. Il faut que tu aies un statut reconnu pour que tu aies ce numéro d'assurance sociale qui te permet de tout faire. Tout. Sans ça, là, c'est zéro. Même tu vas aller payer Shingomo, tu seras obligé de prendre l'argent dans ta poche. C'est seul en été, tu peux un peu travailler dans les champs. Bon, les champs aussi. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire en quelque sorte. C'est pour ça que quand vous m'envoyez ces genres de commentaires, je dis non, faites attention. Faites attention parce que, oui, le Canada, on entend beaucoup de choses. Il y a d'autres qui m'envoient des commentaires. Non, mon frère est là-bas. Il dit si je viens demander le statut. Arrêtez de faire rêver les gens. Tout ce qu'on a bâti ici, tout ce qu'on possède là, on les a pas possédés comme ça. On les a possédés parce qu'on est venu avec des statuts, parce qu'on a eu des statuts. Et puis, ça a été bâti sur des années. Ce n'est pas du coup comme ça que ça a été bâti. Donc, moi, je suis là pour vous dire les vraies choses. On n'est pas ici pour empêcher les gens à réaliser leurs rêves. On est ici pour que ton rêve là, pendant que tu es en train de le chose, comment on appelle ça, entretenir ton rêve là, il faut tenir compte de la réalité. Donc, les Whitey là, ça ne court pas les rues ici. Les Whitey aussi là, on a tous pensé qu'ils sont bêtes. Ils ne sont pas si bêtes que ça. C'est très, très important d'avoir un statut au Canada. Donc, toi, tu veux venir comme visiteur là. Il faut déjà préparer ton plan B dans ta tête. Voilà. Parce que sinon, c'est le nom du Canada qui va être sur toi. Mais ça dit, toi-même, quand tu te réveilles le matin là, c'est le cauchemar pour toi. Tu ne peux pas te soigner, tu ne peux rien faire. Ça dit, c'est l'enfer quand tu n'as pas les papiers. C'est la même chose. Ici, enfant, donne pas papier. Si tu veux, faut faire 10 enfants ici avec un Whitey. Si tu n'as pas marié là, il n'y a pas de baisse dedans. Voilà, c'est ça aussi qui est clair. Il y a tout ça que vous devez prendre en compte. Moi, je suis Monica Z, l'impacteuse. Je suis là pour vous dire les vraies choses. Ce qu'on n'a jamais peut-être voulu vous dire. Ou bien si on vous a toujours fait miroiter aussi. Moi, je suis là pour te dire la vérité. Oui, le Canada est doux, mais Canada est doux quand tu as papier. Si tu n'as pas papier, le Canada devient amer pour toi. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. On est ici pour se dire la vérité. Mais ce que je t'ai dit là, ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'entretenir ton rêve, bien évidemment. Donc, la route se poursuit. Merci, ciao, au revoir.